Jeanne. Elle est morte. Comment ça? Expliquez-vous, Alban, s'il vous plaît. Expliquez-vous, je ne comprends pas. Quand je suis descendue au village, il y avait tout un tas de gardes devant sa maison. Je lui ai donc demandé à un des gardes ce qu'il se passait et on m'a expliqué qu'il y avait eu un assassinat. Tina s'est vengée. Elle a été poignardée. En êtes-vous sûr? Malheureusement, certain. Désolée. Telle en charge. C'est un monstre. Un monstre. Je la hais. Je la hais, mais pourquoi elle a fait ça? C'était moi qu'elle voulait. Alors pourquoi, Jeanne? Tu sais, Tina est une personne sans cœur et sans âme. Tout ce qu'elle fait, elle le fait pour la gloire. Elle n'a aucun cœur. Ça n'avait pas été le Jeanne d'aujourd'hui, ça aurait été un autre jour. Ils veulent tous nous éliminer. Tu as raison. Elle est sans âme. Mais je te le promets. Je me vengerai. Je la vengerai. Mais non, mais arrête, tu déconnes. De toute façon, c'est pas possible. Je te dis que si. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Une intrusion. C'est le signe d'une intrusion dans le château. C'est pas vrai. Il faut que j'y aille. Reste là et sois prudente. Reste enfermée dans ta chambre. Alors là, si tu crois que je vais rester enfermée dans ma chambre alors qu'il y a une intrusion dans mon château, tu rêves. Je viens me battre avec toi. Un point, c'est tout. D'accord. De toute façon, je ne pourrais pas te raisonner. Mais promets-moi de bien faire attention. T'inquiète pas pour moi, je suis grande. On y va. Les attendons et ensuite nous pourrons y aller. Alban, quant à toi, mets les enfants en sécurité. On peut y aller. Très bien, nous vous en attendions. Prenez les armes et on y va. Quoi? Mais maman, tu vas battre, bien évidemment. C'est encore mon royaume, jeune princesse. Bon, allez, allons-y. Il ne faut pas perdre de temps. Tina va gagner du terrain. Très bien. Les autres gardes se sont déjà postés. Nous n'avons plus qu'à y aller. Alors, vive le royaume d'Agathia.